C'est une forêt très particulière, d'abord parce que souvent au sol, dans notre région, il faut travailler le sol parce qu'on manque d'eau en été pour la couche herbacée et le peuplier, malheureusement. Donc déjà, il y a ce travail du sol à faire. Donc ça, c'est de l'investissement, soit en matériel, soit par une entreprise, soit par un voisin agriculteur qui peut le faire, puisqu'on peut utiliser du matériel agricole sans difficulté. Après quoi, on a les tailles de formation et des lagages. Donc celles-ci coûtent cher. Si on les fait faire, elles coûtent d'autant plus cher que l'entreprise qui va prendre un bénéfice. Donc l'idéal, c'est quand même de pouvoir les réaliser soi-même. Et ça, ça demande du temps. Le peuplier étant dans l'aboutissement chez nous est de 15 ans, il ne faut pas dire je plante et puis je reviens dans 5 ou 6 ans, même quand ils ont 10 ans, ça c'est pas vrai. Il faut y revenir beaucoup plus souvent. On n'est pas dans l'implantation de chêne qu'on pourrait laisser pendant 10 ou 15 ans toute seule. Ça demande du temps. Et concrètement, pour un hectare de peuplier, combien ça coûte au niveau de l'investissement, au niveau de la plantation ? Entre, alors en prenant la terre, on va dire agricole, hein, on va partir de là, donc il n'y avait pas de souche ni rien, on est parti sur un terrain propre. La plantation, les plants, donc ça peut varier, la protection contre le gibier, les entretiens, les tailles et tout ça. À mon avis, on est aux environs de 6 000 euros de l'hectare. Pour la première année ? Non, pour l'ensemble de la plantation, sur les 15 ans, quoi, à peu près. D'accord, donc. Oui, même un peu plus. Non, 6 000, je ne sais pas, c'est 7 à 8 000. Il faudrait que je le calcule, je ne l'ai pas en tête, ça, c'est vrai. Aux environs de 7 ou 8 000 euros. Au total, maximum.